Salut John. La pêche. Bon, quoi de beau en ce vendredi ensoleillé? Bah là on va à l'entraînement là. On va jouer demain ou pas. Ouais. On va voir si on va jouer. Ok. Donc bon, avant d'aborder ta saison, ton parcours, etc. Bah ce soleil il fait forcément penser à celui de Bastia, hein, ce soleil corse. Toi qui as joué là-bas, ça t'inspire quoi ce PSG Bastia demain au Parc des Princes? Parce que tu n'auras pas forcément l'occasion d'y être puisque vous jouez en même temps. Ben, franchement, moi ça, j'aurais aimé aller voir ce match. Mais de toute façon, je pouvais pas descendre dans les vestiaires. Mais bon. Cette équipe de Bastia a bien changé depuis que je suis parti. Il y a eu des nouvelles recrues, des départs. Donc depuis, je sais pas comment ça se passe là-bas. Il y a des joueurs que tu connais encore? Qui jouent, qui sont dans le groupe pro ou... Oui, il y a des joueurs que je connais encore, mais il n'y en a plus beaucoup. Il y en a peut-être 2-3. Comme qui, par exemple? Comme Joseph Berbato, il y a Abdoulaye. Je sais pas comment c'est son famille. Je sais pas qui est dans le groupe encore. Ouais, donc la loi du football, hein, c'est un jour on est là, un jour on s'en va. Ouais. Justement, est-ce que tu peux rappeler ton parcours, puisque toi tu es en provenance t'es arrivé en provenance de Bastia il y a un petit peu plus d'un an, mais tu es parisien à la base? Oui, je suis parisien à la base. J'ai commencé à Ville-d'Évry, le VESC, et ensuite je me suis fait recruter j'avais signé à Bastia en 13 ans. En 13 ans, j'ai rejoint. Bastia m'avait envoyé à Clermont pour m'adapter et commencer à comprendre comment ça marchait en son formation. Ensuite, j'ai rejoint Bastia. De là, j'ai fait trois années là-bas, qui se sont plutôt pas mal passées. Mais bon, c'est vrai que comme moi, je suis parti très jeune de chez moi, bah, j'ai dû m'adapter. C'était pas facile. Et voilà, quand j'ai pu rentrer chez moi, de toute façon, c'était mon club de cœur, donc ça m'a fait que plaisir de revenir. Donc comment s'est passée ta première année déjà au PSG la saison passée où tu étais en U19? Ouais, bah cette année elle était bien parce que c'est bien passé parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'avais pas forcément commencé titulaire parce que on attendait de moi d'autres objectifs et donc, voilà, il m'a fallu un temps d'adaptation et à partir de là, dès que j'ai compris qu'il fallait que je me mette vraiment à fond, j'ai commencé à retrouver tout ce que je savais faire. Voilà, donc épanoui, donc tu intègres cette saison le groupe CFA avec un début de saison difficile à qualifier ce début de saison, un petit peu irrégulier, hein. Vous avez bien démarré, un peu moins bien, puis là c'est reparti à Aubervilliers. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour trouver une certaine régularité dans vos résultats? Pour moi, je pense que pour la plupart des joueurs qui évoluent en CFA, il y en a beaucoup qui n'avaient pas du tout évolué en CFA la saison dernière. Je pense qu'il faut aussi un temps d'adaptation pour ces joueurs-là et petit à petit ça commence à se mettre en place et on voit qu'on a une très bonne équipe qui peut jouer le haut de tableau. T'ambitionnes, qu'est-ce qu'on ambitionne quand on est stagiaire pro PSG? Est-ce qu'on espère encore pouvoir signer pro PSG malgré toutes les stars? On se sert plutôt de ce club comme un tremplin? Un peu des deux. Pour moi personnellement, mon rêve ça serait de signer pro PSG. Ensuite, peut-être me faire prêter si c'est pour mon bien pour pouvoir quand même à un très bon niveau et prendre de l'expérience et toujours progresser. Donc ça c'est tes ambitions au PSG. Et si on devait parler de tes ambitions sur le plan international, parce que est-ce que tu peux nous rappeler tes origines? Moi j'ai choisi la sélection du Cameroun pour la simple raison que je suis camerounais et fier de l'être. Voilà, c'est des choses que chaque joueur a en lui. Il y en a qui se sont plus français, il y en a qui se sont plus de leur origine. Moi, je me sens à peu près des deux, mais c'est vrai que mon cœur pense plus pour le Cameroun. D'accord. On a parlé de pas mal de passions, que ce soit avec
Johan, Brian et puis Romain la semaine passée. Donc on a parlé de console, de cinéma, de pas mal de choses. Si on devait parler de mode, parce que t'es pas mal habillé aujourd'hui, est-ce que tu cultives un style en particulier? Est-ce que tu prêtes de l'importance à ton apparence? De l'importance, oui, il en faut. Il faut montrer qu'on est propre sur soi-même et que. Voilà, quand ça se peut aller. Malgré toujours que par le fric, pour montrer qu'on est quand même là. On suit quand même la mode. Moi, après, c'est pas forcément l'une de mes préoccupations premières, donc j'essaie de faire du mieux que moi. Ok. T'es au courant quand même que sur ce trottoir il est passé des. Alors des centaines, je sais pas, mais beaucoup de jeunes qui ont éclaté au plus haut niveau. Qu'est-ce qu'on ressent à chaque fois quand on l'emprunte ce trottoir pour se diriger vers les vestiaires? Est-ce qu'il y a... Bah, on se disait qu'il faut qu'on soit parmi ces gens-là qui ont réussi. Donc voilà, qu'il faut se donner à fond et pas avoir de regrets surtout. Après. On se dit peut-être pas tout ça au début, mais avec le temps, on commence à y penser. Voilà. Ok, on passe à la question qui tue, parce que voilà, on vient de passer 100 mètres avec John, donc une petite question qui tue, hein, tu vas pas y échapper. Voilà. Est-ce que tu souhaites que Khalifa Koulibaly, actuel titulaire en attaque, ait une vilaine grippe cet hiver? Non, franchement, c'est pas mon souhait premier. Moi, je voudrais plutôt que... Je passe devant lui par rapport à mes capacités footballistiques et pas par une blessure ou par une maladie. Je ne souhaite pas ça, je ne souhaite pas de mal, je souhaite de mal à personne. Il est très, avec moi personnellement, il est très gentil, il me conseille beaucoup parce qu'il est quand même plus avec moi. Et voilà quoi, donc j'espère que l'élève va dépasser le maître, comme on dit. Bon, on te remercie en tout cas John pour avoir passé ce moment avec les Titi du PSG. On te souhaite une excellente saison, beaucoup de buts, et puis que tu continues à défendre du mieux possible le maillot rouge et bleu comme tu le fais, parce que tu fais partie vraiment des joueurs qu'on apprécie et on te souhaite le meilleur. Allez, bon entraînement. Ciao, ciao.